Boye bolamu bandeko ya Leon Joleo to pesi bino mbote mokolo malelo to ye liboso na bino pona ko présenter deuxième chapitre na biso ya mapping lokota lingala kasi lelo ezali bongo troisième partie ya deuxième chapitre bongo to kobanda na Équateur. Ba réfugié ya yambo o bakomaki na province ya Équateur na décembre 1996. Kasi bango bazalaki bongo principalement ba haut dignitaire civil pe militaire ya ancien régime rwandais. Bango bakomaki bongo na lombango penza kino na zongo via Gemenato Guadolite. Bongo wapi bakatisaki ubangi pona kokoma na République centrafricaine. Ba réfugiés, la plupart étaient comme à la province de l'Équateur que na mars pe avril 1997. Ba komaki na makolo après avoir traversé ba forêt ya axe qui s'engagne Ubundu pe bango bazwaki nzela na direction ya Ikela. Bango ba stéri ko progresser ensuite l'intérieur ya province na kolandaka axe Ikela Boende na district ya Chuapa. Bamande ko se déplacer la plupart na groupe ya 50 to 200 personnes bazaki accompagné na quelques hommes armés. Ba mususu bazalaki constitué exclusivement na ba ex-FAR pe ba miliciens interamwe. Le colon à la province, Moussousou, lors du passage dans le village, il a commis des exactions à l'encontre de la population civile. Ba militaire ya AFD la paix na côté na bango ba siki ko atteindre province ya Équateur au cours ya avril na koleka na pa Isangi pe Djolu. Na contexte wana équipe mapping et documenta ki les incidents allégués oyo elandi. Le 22 avril 1997, lors de l'entrée à Boende, ville est située dans la rive gauche de la rivière Chuapa, à 560 km de Mbandaka. Le militaire a fait de la paire, a fait de balle, nombre de coins indéterminés, et a réfugié au niveau de port Onatra, Office national des transports. Pays bas réfugiés et belles bastides qui contentaient qu'on s'échappait n'a commis boaka n'a qu'à arriver à Chuapa mais bah on y a soit dinda qui paye bah koufaki bas réfugiés au bazar qui présent la Boende bah on est causé là poso et belles bateaux moko pona kokenimba naka bateau ya liboso et bah on est comme bas réfugiés et kenda qui quelques semaines auparavant. Le 24 avril, bah réfugié au bah Silaki qui survivre dans la tuerie, il y a 22 avril, bah Silaki qui a embarqué sous escorte militaire, il y a AFD la paix. Dans la pirogue, puis bah Silaki qui a entamé une traversée, il y a Chuapa. Au cours de la trajet, il y a un militaire qui a été un nombre indéterminé. Na niveau, il y a 10 gosses qui sont reliées à la rive droite. Il y a Boende Pelifomi, village où est situé à 14 km. Il y a Boende. La troupe a fait la paire, c'est que continuer comme un réfugié dans la région, il y a Boende, où ils allaient tout au long, il y a mai, juin, puis juillet 1997. Équipe mapping et Yango, et puis ça qui a titre illustratif, paix et documentaire qui a incident allégué, Oyo Eladi. Vers fin avril 1997, ba élément ya AFD la paix, ba c'est kobuma ya bomo kotumba ya bomoi, ba réfugié na niveau ya village Lolengi. Oyez ali situé na 48 km ya Boende. Ba militaire ba c'est ki kozi pa banzoto ya ba victime na ba bâche en plastique et puis ba incendie ki bango na sima. 9 mai 1997, ba élément Yaf de la paix, basse que bon ma parbal, une vingtaine, y'a ba réfugié, na proximité à Carrefour, y'a l'Ofonda. Oezali bongo na 32 km, y'a Boende.
Ma victime, basila ki kouma na forêt après que ba militaire basila ki kolaka bango te bakokwa kosunga bango na kuzonga na Rwanda. Après prise ya Bwende na ba troupe ya AFDL ba réfugié o bazala ki na axe ikela anamo ya ville basila ki kokima na ba direction ebele ba susu bakenda ki vers Monkoto ezali na 218 km na sud ya Bwende pe bakatisa ki fleuve Zaïre na niveau ya Lukolela pe bango basila ki ko atteindre Congo Brazzaville. Basusu bakenaki na direction ya nord pe bakomaki na ba Sankusu via Befale. La plupart babandaki ko continuer ko progresser vers l'ouest en direction ya Ingende Pembandaka tandis que ba militaire ya AFDL babandaki ko mitia ko landa bango. Na contexte wana équipe mapping et documenta que les incidents allégués suivants. Le 7 mai 1997, ba élément ya AFDL la paire ba sel comme moi 10 réfugiés na village ya Joa o ezwami na 310 km ya Mbandaka ba o wana ba kibongo kozala toujours na village pamati bané causé la cause ba soins médicaux. Le 7 mai 1997 ba élément ya AFDL la paix ba c'est comme 7 réfugiés na kati ya village ya Bekonji P2 na village ya Buya. Le 8 mai 1997 ba élément ya AFDL la paix ba c'est comme 9 réfugiés na village ya Wele o ezomi na 25 km ya rivière Ruki pe 30 na digue ya Lolo o ezali ko relier village ya Yele pe rive droite ya rivière Ruki. Entre le 7 et le 9 mai 1997, il y a l'élément de la paix qui est comme nombre indéterminé par réfugiés tout au long. Il y a 60 km où il y a le Kabula Joa paix rivière Ruki. Vers la fin avril 1997, il y a un millier de réfugiés qui sont concentrés sur la rive droite de la rivière Ruki. Na kozé la kabato pour na kokeni Mbandaka. Le 1er le 8 mai, bak Ingende s'est réquisitionné gouvernement militaire OSC qui a évacué 4200 entre Nakatina Bango, Tina Irebu, pe ancien centre militaire et force navale où il est situé à 120 km na sud de Mbandaka. Ba susu ba keneki na pirogue to na makolo ti na Mbandaka ba o bazalaki penza faible pe ba o bazalaki kobela bango ba kokaki te kolongwa na zone wana avant arrivé ya ba militaire ya AFDL la paix. Incident allégué suivant a été documenté. Le 12 mai 1997, ba élément ya AFDL la paix ba sel koma na kou ya masu dizaine ya ba réfugiés civils entre village ya Lomposo pe Kalamba respectivement na ezomi na 85 pe 70 km ya Mbandaka. Le 11 mai, ba militaire ya AFDL APR ba komaki bongo à bord ya deux camions pe ba jeep ebele bongo et tanisaki butu na yango na paroisse ya Itipo. Où est situé na rive gauche ya rivière Ruki na environ 187 km ya Mbandaka. Le 12 mai, basia ki ko zwanzela pona kokende na Mbandaka. Na sima ya kolekisa butu ya 12 pe 13 mai na kati ya village Kalamba, troupe ya AFDL la paix basse ko
atteindre Wenji au Ezwami à 20 km ya Mbandaka. 6000 réfugiés vont vivre dans le village Wana, na camp ya fortune au Tiama qui est en place na Croix-Rouge locale. Après une ancienne usine ya société équatorielle congolaise Lulonga Ikelemba. Bango bazalaki armé. Bango bazalaki armé te. Pamba te ba gendarmerie ba se ko botula bango ba arme. Sous égide ya évêque ya Mbandaka, comité ya assistance pe ya rapatriement o ezali composé na ba membres église catholique pe protestante ainsi que ya MSF ya CICR pe ya Caritas basse ko tenter ya ko sunga ba réfugiés mais face ya progression rapide ya troupe ya AFDEL o ba dans la direction ya zone comité essaie ko décider ya ko organiser évacuation ba réfugiés na Irebu. Incident allégué suivant a été documenté. Le 13 mai 1997, l'élément Yaf de la Paix a agi en présence de plusieurs hauts responsables de la Paix. Il y a au moins 140 réfugiés dans le village de Wenji. Na koko manabango na village ba militaire ba seko déclaré des aïrois abangate tozali arapona ba réfugié. Bongo bango ba seko se dirige vers camp pe ba seko fongola manduki na bango likolo ba réfugié. Ba o wana ba seki ko tenter ko kima mais basila ki ko zwa makaka na ba militaire o ba uta ki na sud. Le même jour ba militaire ba seko kota na ba bureau ya Croix-Rouge locale pe ba seko boma bana o ba zala ki akompanye te pe ba zala ki koze la rapatriement na bango kuna na Rwanda. Le 13 mai, population ya Wenji ba seko kunda 116 corps pe bebe moko ya 3 mois environ oyo azalaki na nonabo moyi na tango bale ko na tango ya enterrement. Le 13 mai population ya Wenji seki kokunda 116 corps pe bebe moko ya 3 mois environ oyo azalaki na nonabo moyi na tango ya kokunda aseko na militaire moko ya AFDEL PAIX oyo bane ko superviser ba travaux ya inhumation. Le 14 mai, 17 autres corps étaient qui kokundama. Tandis que groupe ya Liboso ya ba militaire ya AFDEL PAIX ba massacre qui ba réfugié à Wenji, groupe mususu bazwa ki direction ya Mbandaka na na camion na deux camions. Incident allégué suivant a été documenté. Le 13 mai 1997, na matinée, deuxième groupe ya militaire ya AFDEL PAIX baseko fongola manduki na bango sur nombre moko ya déterminé ya ba réfugiés oyo ba kimaki na Wenji pe bande kozela ko atteindre Mbandaka. 18 réfugiés baseki kozela ko bomama na niveau ya village ya Bolenge pe misato mosusu na niveau ya concession catholique ya Iyonda. Le 13 mai 1997, vers 10 h, plusieurs centaines de réfugiés ba komaki na banzela ya Mbandaka na Kokima. Incident allégué suivant ezalaki documenté. Le 13 mai 1997, ba militaire ya AFDEL PAIX ba seki ko fongola manduki na bango sur ba réfugiés o ba utaki ya peine ya kokoma na Mbandaka. Pe bango ba seko bo manombo moko indéterminé à proximité ya Banque Centrale du Zaïr na avenue Mobutu. Ba militaire ba se ba kota ki bongo na enceinte ya port ya Onatra. Wapi kuna ba nombre réfugiés ba ndaye kozela depuis quelques jours embarquement na bango po na Irebu. Incident allégué suivant a été documenté. Le 13 mai 1997, l'élément ya AFDEL PAIX, c'est qui bongo ko fongola manduki na bango likolo ba réfugié na ya port ya Onatra pendant 5 à 10 minutes na kuboma un nombre moko indéterminé. Na par la suite, officier commandant
militaire a été coordonné un cessez-le-feu à Senga qui n'est pas réfugié Balongwa na kubomba na mana bango ba misusu basila ki komi bwaka na fleuve Zaïre ko pona ko espérer ko s'échapper kasi ba militaire ya Afdel basila ki koza position le long ya fleuve pe basila ki ko fungola manduki. Vers 14h, les militaires qui ont tiré, trié les réfugiés pour exécuter le coup de massue. Le lendemain, officier commandant militaire Afdel appelle à s'autoriser Croix-Rouge locale Yako Lokota Bibembe en vue Yako Kundabango, dans la fosse commune située à 5 km de Mbandaka, dans le niveau de la mission protestante de Bolingue. Banzote Ebele Oezouamaki na Poyonatra, c'est qui bon qu'on revanche. Fleuve. Selon certaines sources, au moins 200 personnes ont été tuées dans le massacre. Barescapé, il y a différents massacres commis dans le sud de l'Équateur. Vous allez réinstaller dans le camp situé dans l'aéroport de Mbandaka. Na Kobanda, le 22 mai 1997, 13 000 réfugiés, Basila Kibongo, koza la rapatrié na Rwanda. Les réfugiés rwandais, Basila Kibongo, ko reçu ya ko traversé fleuve Zaïre, pe Basila ko s'installé na République démocratique du Congo. Pour la plupart, na trois camps situés à environ 600 km dans le nord de Brazzaville. Le Kolela, 6500 réfugiés, Liranga, 5500, Pe Njundu, 3500. Au cours du second semestre de 1997, l'autorité nationale et provinciale et un nouveau régime ont entravé systématiquement les travaux de la mission d'enquête et le secrétaire général a tenté de couper sa lumière dans le massacre de Wenji et Mbandaka. En novembre, le gouvernement de la province Équateur, Mola Motia, a déterré les Mikoua, les humains, les fosses communes, les Bolingue, pour faire disparaître les preuves avant que les enquêteurs des Nations Unies soient sur le terrain. Ministre de l'Intérieur a facilité les travaux et l'exhumation. Il a imposé que le 13 couvre-feu dans la ville de Mbandaka. Le massacre de Wenji et Mbandaka est mis en évidence acharnement des militaires de Afdel Apr, parce qu'ils sont réfugiés. Ce qui occurre à Kokima Nabango à travers le Congo Zaïre, les réfugiés sont souvent mêlés na ba éléments ya ex far interam pe na kokoma na bango ba militaires Afdel Apr na Mbandaka pe na Wenji ba ex far interam ba sila ki pour la plupart déjà kolongwa na zone tout comme ba militaires ya FAZ. Malgré wana ba militaire ya Afdel Apr ba continue ki ko traiter ba réfugiés le kola ba combattants armés pe ba objectif militaire. Pendant koki manabango ba membre ya différents services ya sécurité ya présent Mobutu pe ba ex-far interamwe ba sila ki ko boma nombreux civils pe bango ba komenta ki ba viol pe pillage
au cours de la progression de vers Kinshasa, les réfugiés sont sous le militaire. Il y a de la paix qui a massacré un grand nombre de Banyarwanda Hutu. Bango a éliminé de nombreux civils soupçonnés de Sunga ex-FARC interam et de groupes armés Hutu Burundi qui ont participé à la tuerie de tous les Banyamulenge. Pe bango ba siaki nakosunga ba réfugié na kokima to na ko soutenir régime ya président Mobutu. Après arriver na pouvoir na Kinshasa ya président Laurent Désiré Kabila, ba force ya sécurité ya nouveau régime ba siaki bongo ko commettre ba grave violation ya droit de l'homme aux ezala na contre ba civil considéré le quoi la hostile na nouveau régime pe na maintien ya présence ya ba militaire ya APR na territoire congolais. Après kozwa contrôle ya camp militaire Rumangabo entre Goma et Rutshuru à proximité ya frontière na Rwanda, ba troupe ya FDLR ba siko lancé le 29 octobre 1996 attaque sur Goma. Dans contexte équipe mapping et documenta que les incidents allégués suivants. Entre le 29 octobre et le 1er novembre 1996, ba koma pour na contrôle ya Goma et kozaki ba mort ya nombre moko indéterminé ba civil au cours ya combat ba militaire ya phase ba se ko combat ko commettre ba nombreux actes ya pillage. Après kozwa Goma le 1er novembre 1996 ba troupe ya FDLR ba se ko boma pe ba bungisa ki un nombre indéterminé ba civil parmi na kati na bango ba nombreux membres influents ya communauté Banyarwanda Hutu ba se ki ko boma pe ba élément ébélé ya ba phase hors d'état de combat wapi kuna ba militaire en traitement na hôpital général ya Goma. Au cours de la semaine du 2 au 9 novembre, l'équipe urgence et la biodiversité essaie de colorer 776 corps na Banzela et la ville. Ba victime mususu ba seki ko bomama na balle ba sile ko na balle perdu mais ba misusu ba seki ko exécuté délibérément ba troupe ya AFDL APR ba seki bongo ko livré pillage moko systématique na kati ya ville po, na kosataka kaka na ba dépôt pe na ba bureau ya organisme humanitaire lokola CICR na wana na ba organisme des Nations Unies lokola PAM PHCR. Malgré prise ya Goma ba force ya FDLR ba ex-FAR interam ya camp ya Mugunga ba tikala ki actif na dans les environs ya ville. Le 3 novembre 1996 basé copier ba mituka ainsi que ba bien ya grand séminaire ya Birumba na périphérie ya Goma. Le 6 novembre 1996 ba élément ya ex FARC interam pe ba bandi armés et rois basé ko ba trois religieux tuti na niveau ya grand séminaire ya Birumba o ezali mosika te na kan ya ba réfugié ya Mugunga. Ba victime bazaki deux abbés pe sœur moko bango bazaki bakokaki kokima te na grand séminaire lors ya batak ya bâtiment le 3 novembre après après kozala kotika la wana ya kobomba ma pendant 3 jours basiaki kokanga mape kobomama alors que babane koluka ma epe bilei ya kolia une quarantaine ya quatrième personne ya etni tuti asiaki kozala sauvé.
Na butu ya 5 pe 6 juin 1996 na buna Ghana village où est situé la frontière na Uganda ba élément armé identifié comme étant un militaire ya APRP UPDF basé comme entre 28 et 36 civils pour la plupart ya Banyarwanda Hutu selon certaines sources Batuchi originaire ya Bunagana bazaki bongo koza la servi kolokola ba éclaireur na ko indikaka na ba commando bandako pona bandako ya bato ya koboma. Ba infiltration ba militaire ya AFDLPR na kati ya collectivité Bwisha et banaki bongo na octobre 1996 vers la mi-octobre ya ba unité vers la mi-octobre ba unité ya AFDLPR basé kwa take pour na ba yambo comme militaire ya ba phase ou mangabo na aide ya ba élément ya ex far interam ou ba utaki na kwa ba réfugié ya Katale Pemu Gunga, ba phase basé qui qu'on repousse attaque. Au cours y'a ba jour et lundi, ba militaire moussous y'a de la paire, basé qui bon qu'on a infiltré na partie sud y'a territoire y'a Rutshuru via parc national y'a Virunga. Pe na niveau y'a camp Kibunda. Ba infiltré wana ya sika ba sia kibongo ko réussir ko kata nzela we bende ko relier ba kan ya réfugié ya Katale pe Mugunga na camp militaire ya ba phase en vue ya lancement ya seconde attaque na Umangabo Kobanda ebandela ba infiltration ya ba troupe ya AFDLPR ba se ko commettre ba massacre contre population civile pe ba regroupement ya Bweza pe Rugari ba victime ba zaki principalement ba Banyarwanda Hutu ba militaire AFDLPR bango ba zaki toujours ko procéder na ba même schéma na kokota na bango na localité moko ba se coordonner na population ya kosangana pour motif le plus divers une fois que ba regroupé ba civil ba zaki ko ligoté bango pe ko exécuter bango na ba kouye ba marteau pe na kongo likuna likolo ya mitu ba témoin ebele ba se ko déclarer comme on a pe ko reconnaître parmi ba militaire ya de la perte ba nombreux jeunes Banyarwanda Tutsi ba o ba longwa ki territoire ya Rutshuru entre 1990 pe 1996 selon ba témoin ebele ba militaire ya AFDLPR ba se ko massacré ba Banyarwanda Hutu na volonté na bango évidente po na ko se venger bango ba ne ko ciblé ba village o ba Hutu ba Tutsi ba zaki ki persécuté na kala contexte wana équipe mapping et documenta les incidents allégués suivants. Le 20 octobre 1996, l'élément est affecté la paix entre 70 et 150 civils dans la localité de Moussekera, dans le groupement de Bweza, dans le sud du territoire de Rutshuru. Ba militaire bango ba komaki déjà na village la veille mais ba kutaki motote pa population et kimaki le 20 octobre ba siaki kozonga lisusu par surprise na mboka moko pe bango ba ordonaki rapidement na ba civil la plupart na ba Banyarwanda Hutu ya kosangana na kati ya ba maison communale sous prétexte que ba kokabwela bango bile ya kolia pe me ya komela. Une fois bakangaki bango na ba maison communale ba victime bazalaki ligoté pe ba bomamaki na makuya ba masu
banzoto na bango esilemaki kobwakama na ba latrine. Aux alentours, il y a 20 octobre 1996, les éléments et AFD de la paix, c'est comme une dizaine de civils, la plupart sont en Rwanda Utu, dans le village Tanda, dans la proximité de Musekera. Les victimes sont comme une maman à coups de marteau, pe na ba Congo ya Miki avant ya kokende ba militaire bastaki ko incendier ba village. Aux alentours il y a 30 octobre 1996 ba élément ya AFD la paix bastaki ko boma. Plus de 800 000 personnes dont basi pe bana na village ya Bisoko, Mungwata, Ngugo pe Kuri Ogari. Na ya groupement ya Rugari na territoire ya Rutshuru. Au cours ya ba jours précédents, ba violent combat et ben est composé ba militaire ya AFD la paix na ba phase ex intérim moins autour ya camp militaire ya Rumangabo situé na proximité ya village wana. En novembre, la commission moko locale essaie d'établir la liste des victimes et il y a 830 noms. Dans le cadre du massacre militaire, il y a qui peut livrer dans le pillage dans le village. Le 26 octobre 1996, le militaire et AFD la paix, c'est qui bongo. Kozwa Rutshuru chef lieu ya territoire ya Kombo Mokowana. Incident allégué suivant Ezaki Bongo documenté. Le 26 octobre 1996, l'élément ya AFD la paix, basé comme un nombre moko indéterminé ba civil ba Rwanda Utu, na kan ya ba déplacé ya Nyongera. À quelques mètres, ya Rutshuru ba militaire, basé qui n'a nous encerclé quand. Pe bango ba fungola ki ma ba sasi na bango ba victime ba sila ki koza la plupart ba Banyarwanda Utu originaire ya collectivité ya Bwito ya territoire ya Rutshuru. Bango ba ne ko vivre na kawana de plus ba mbula ebele du fait que climat ya violence et ba ne ko renier na collectivité ya Bwito. Selon source moko ba massacre wana et la qui précédait na bref échange y a bâti entre militaires et AFD la paix pe ba exfa intera moui. Na entrée ya troupe AFD la paix na Rutshuru population ya village environnant ba kimaki na colline ya groupement ya Busanza. Incident allégué suivant a été documenté. Le 30 novembre 1996, bah, les morts et AFD la paix, bah, c'est Koboma. Du côté de Mito, il y a 350 civils au moins. Pour la plupart, il y a Banya Rwanda Utu, na centre-ville, il y a Rutshuru. Oui, il y a Pembeni, il y a Maison, il y a Tna. Au cours, il y a un jour où il a dit, bah, massacre. Ba militaire ba sila ki bongo ko benga population civile o ba kimaki na ville la village ya Kiringa na 1 km ya Rutshuru ya Kozonga yango na façon ya ko pouvoir assister le 30 octobre na grand meeting populaire une fois te bazunga ki na village ba habitants ya Kiringa ba se ko mama ti na centre ville ya Rutshuru pe ba Kangaki bango na maison ya na na après-midi ba militaire ba c'était ko procéder na recensement pe ko tuna na personne ya ethnie nande ya kozonga e pa na bango pe na sima na yango ba c'était ko kabola basi na mibali na motif te bango ba ko sila kolamba bilei basi basile ko mati na maison ya poste wapikuna basile ki kozala exécuté mibali basile ki kozala ligoté pe comme mama mibale kino na carrière ya sable situé à quelques dizaines de mètres ya maison ya na et bon na sima bango nyonso basile ko mana kuya marteau.
Au cours de la semaine, les militaires et AFD la paire, ils ont commis de nombreux massacres dans le village de Goma, de Busanza, qui s'y gare, de Djomba, dans le sud, de l'est et de Rutshuru. Les victimes sont principalement les civils de Rwanda et Hutu. Dans le contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Vers la fin octobre 1996, les éléments de AFDL la paire circulent entre 30 et 60 personnes, pour la plupart de Banyarwanda Hutu, dans le village de Kashua et Burai, où ils allaient pemeni ya Rutshuru. La plupart des victimes étaient ligotées avant de être exécutées dans les coups de marteau et Congo. Les victimes étaient ligotées dans les balles. Vers la fin octobre 1996, Kakawana, élément ya afte la paix, c'est comme une centaine de civils, la plupart de Rwanda Hutu, dans le village, ya groupement ya Kisigari, dans le territoire ya Rutshuru, notamment na Mushoro, Biruma, Kabaya pe Kazuba. Ba militaire ba seki ko sangisa ba habitants na ko ndimisa ka bango te ba ko e ba ko assister na réunion moko. La plupart ba victimes ba seki ko mona ba ku ya ba Congo to ba marteau likolo ya mitu. Ba misusu ba kufa ki na ko boma bango na bo ya ko zikisa bango e ya bomoi pe bakangaki bango na bandako na bango. Ba misusu ba seko kufa après avoir ko possibilité bango na balatrine. Aux alentours ya 29 octobre 1996, ba élément ya AFDL la paix ba saki ko basila ki ko bungisa abe moko puis quatre sœurs na paroisse ya Djomba na territoire ya Rutshuru. Ba victime bazala ki bongo ba Banyarwanda Hutu bongo ba mona ki mbala ya suka ba mona ki mbala ya suka ba militaire AFDL koloba Bandoto na bango ezalaki jamais retrouvé. Pendant plusieurs semaines entre octobre et novembre 1996, les éléments ya AFDL la paire basaki kokanga pe koboma nombre moko indéterminé ba civil Banyarwanda Hutu na bâtiment moko oyo ezalaki installé état major ya AFDL la paire na centre ya Rutshuru. Ba victime bazalaki bongo intercepté na niveau ya ba barrière aux acquérigés na entrée ya Rutshuru pe na proximité ya ba installation hydroélectrique ya Mondo Giosto. Ba nzoto ya ba victime et c'est qui bongo ko bwakama na rivière Fuku. Le 18 novembre 1996, les éléments de AFDL la paire ont été massacrés. Plusieurs centaines de Banyarwanda Hutu na Wenze ya Mugogo, où ils allaient à 31 km de Rutshuru. Na kokoma na bango ba militaire ba saki ko annoncer que ba organiser une réunion pour na ko présenter chef ya sika ya localité na population. Après ko singa na population non Hutu pe oyo ya kimwanja ya kolongwa na bisika ba militaire ba steki bongo ko fungola manduki dikolo ya foule ba victime mususu ba steki bongo kozala cheve na ku ya marteau to pe na banzete ya maboka dikolo ya mitu. Mais bandela ya ne 90 conflit foncier et bané composé population et village ya Mugogo pe libota moko tuti na sujet ya plantation ya Shinda membre moko ya famille tuti c'est qui bon qu'on a assassiné na ba villageois. Na 2005, population ya Mugogo essaie kozongisa liste moko na division ya droit de l'homme au ya MONUC répertoriant 1589 victimes. Début novembre 1996, ba élément ya AFDL la paix ba sekuma plusieurs centaines ba Banyarwanda
na ancien camp et institut Zaïwa pour conservation de la nature IZCN. Il y a Kabaraza, situé dans l'entrée du parc national Virunga, à 20 km de Rutshuru. Les victimes sont les Banyarwanda et les Hutus, Oyo, qui ont appréhendé dans le village de Ngwenda. Na niveau ya barrière wapi ba militaire wabanda ki ko trier bato en fonction ya ba origine ethnique ba militaire ba sila ki ko me ko conduire bango jusque na ancien camp ya IZCN na ko ndimisaka bango te ba ko yeba ko sala bilanga ya madesu na cadre ya travail communautaire. Une fois ko koma na kamba militaire ba se ko boma na ba dete ya maboka. Selon la plupart de la source, nombre total de victimes est à Kibongo à près de 600 personnes. Na kotanga à la fin ya 1996 ba militaire ya Abdelah Père ba procéda ki na recrutement massif au sein ya population congolaise. Majorité ya ba nouvelle recrue wana ezalaki bongo bana. Donc EAFGA communément appelé ba Kadogo. Oh, il a ici le petit en swahili. Dans le contexte, on a équipe mapping et documenté les incidents allégués suivants. Fin 1996, bah, l'élément Abdelah Père bah, s'est recruté de bah, nombreux mineurs dans le village entourant la localité de Kachwa, dans le regroupement de Kisigari, dans le territoire de Rutshuru, dans la région. Il y a Ngungu, il y a territoire, il y a Masisi. Ba recruteur ba siaki bongo ko se rendre na ba école ya ba village na kolaka kabana te ba kopesa bango bile ya kole ya to mbongo pe bango ba siaki ko enroler bango na makasi na ba moko indéterminé ya bana. Ba recrue mususu ba siaki bongo à peine à 10 ans. La plupart des recrues à la région basé sur sa formation militaire minimale na camp ya Matebe situé dans les environs ya centre-ville ya Rutshuru. Au cours ya ba séjour na bango na camp bana wana basé ko subir ba torture ainsi que ba divers traitements cruels, inhumains pe dégradants. Bazaki ba victime ya ba viol pe basé ki ko kozwa ke très peu bilei ya kolia. Et ensuite, Bazaki continue directement na front. Le 7 mai 1997, ba élément ya Abdelah Père, ba c'est comme 300 civils na bamboka ya localité ya Chanzerwa ya groupement ya Binja. Na kokoma na bango na ba village ba militaire ba siaki ko sala irruption na bandaku pe ba bomaki na moko indéterminé ba civil na ku ya ba petite H. Bongo ba siaki ko memano ba moko indéterminé ba civil capturé tina mboka ya Burimba après ba ligota ki bango pe ba kanga ki bango na ba bâtiment et na kuro église ya 8e CEPAC communauté et église pentecôtiste en Afrique centrale ba sek bu mama na ku ya Congo na mitu ba ba tonta ki ko kima ba sek bu mama na ku ya balle ba bibi mena bango et sek bwa kama na ba latrine o zaimo sikate na église. Ba troupe ya Abdelah Père ba sek bu mama sans discrimination mi bali basi pe bana la majorité va victime za ki bongo ba Banyarwanda utu me ba nombre non de ba sia ki koza massacre na Muhimba selon selon plusieurs escapés selon plusieurs escapés ba militaire ya Abdelah Père ba sia ko bongo bana na kobeta bango na moto contre mur topé na ba tronc d'arbre.
Au total, 334 victimes au basse Kozala recensées. Le 26 mai 1997, le baélément y a appelé la paix au basse kidnappé. Pe baseko bungisa au moins 17 civils na village ya Vichumbi na bord ya lac Edouard ba victime ba funda makibongo ya koboma militaire comme militaire moko ya af de la paix kokufa peu à peu de temps auparavant na ba circonstances non élucidées. 22 villageois basés comme jusqu'un complexe touristique y a Windy pour qu'on ait interrogé. 5 na kati na bango basala ki bongo libéré mais basusu basila ki kubasila komona na te. Après démantèlement y a camp y a réfugiés y a Katale pe Kaindo. Ba nombreux réfugiés outre rwandais basé coéré na collectivité ya Bwito jusqu'en mars 1997. Bongo bango basé qui causa souvent mêlé la population locale composée la majorité ya Banyarwanda outre. Na contexte on équipe mapping documenta qui les incidents allégués oyo elandi. Quelques semaines après l'attaque contre camp et réfugié à Katale, fin octobre 1996, bah, élément y a Afdel la paix, Baboma qui au moins 88 civils, pour la plupart Banyarwanda Hutu, na village ya Rusovu. Ya groupement ya Tongo. Après avoir rassemblé habitants, militaires, baxé ko Kangabango dans na dizaine ya bandako pe baboma ki bango na makuya ya Congo pe marteau likolo ya mitu pe na sima baseko ya incendie bandako na novembre ou to décembre 1996 ba élément ya Afdel la paix basila ki koboma au moins 200 civils pour la plupart ya Banyarwanda Hutu na regroupement ya Bambu notamment na ba village ya Musanza, Marangara, Kanyangili, Kanga, Kagando, Peki, Shiche, na Kagando. Ba militaire, babanda kina nko singa na ba villageois, na ko se regroupe afin ya ko recevoir bile ya ko liya tope mungwa. Na simana yango basi ko kanga bango na ba petit groupe, na banda ko basi teki ko incendie. Na novembre, tôt décembre 1996 également, ba élément ya Afdel la paix, ba siya ki kouma 85 civils Banyarwanda Hutu, na village ya douane ya regroupement ya Tongo. Après ko kangama au cours ya opération ya ratissage, ba victime ba siya ki bongo koza ligoté, puis koza ko kangama na ndako moko au bas militaire basé quoi incendié bas victime basé qui kotumba manabo ya bon moi puis bas nzoto na bango essaye kokundama na par petit groupe na 4 to 5 fosses communes le 31 décembre 1996 bas élément ya Afdel la paix basé comme environ 300 civils pour la plupart ya Banyarwanda Hutu dont basi pebana na village ya Bukombo na territoire ya Uchuru na kokoma na bango ba militaire ba se ko singa na ba habitant pa ko kosangana afin ya consister na réunion moko pe bango na siyonse ko encercler bango pe ba fungola ki manduki likolo ya foule avant ya kolongwa village ba militaire ba se ko ma ba stock ya ba médicament pe ba bebisaki hôpital. Le 11 mars 1997, bah élément ya Afdel la paix va se comme ba dizaine ba civile na majorité ba Banyarwanda Hutu. Bongo na kati basi pe bana na village ya Mushababwa. Na kuna na regroupement
ya bambu na kokoma na bango ba militaire basenga ki na population ya kosanga na vie ko assister na réunion moko pe na sima ba ensuite ki ba civil pe ba se ko fongola moto na ba manduki na bango sans discrimination. Quelques semaines après attaque contre camp ya ba réfugiés à Katale fin octobre 1996 ba élément AFD de la paix ba se ko au moins 88 civils pour la plupart ba ya Rwanda Hutu na village ya Rusovu na groupement ya Tongo. Après avoir rassemblé les habitants, ba militaire ba se ko kanga une quinzaine na banda coupé ba se ko ba bango na ku ya ba Congo pe marteau likolo ya mitu pe na sima se ko incendie ba ndako. 13 mars 1996, ba élément FDL ba se ko moma centaines de personnes en majorité ba Banyarwanda Hutu na village ya Kazuba pe na localité ya Bukombo na kokoma na bango na village ba se ngaki na pasteur ya église adventiste ya ko rassembler population a envie ko assister na réunion ba civil oyo ba steki ko ke une église ba steki ko bon par balle ba civil mo susu ba kufa ki na ko tumba bango ya bomoi na incendie na banda ko na bango ba militaire ba steki ko ko boma indistinctement ba mibali ba si pe bana. Entre le 12 et le 19 avril 1997, ba élément ya AFDL la paix ba se ko ma plus d'une centaine ba civils parmi lesquels une majorité ba Banyarwanda Hutu na village ya Kabizo. Ba militaire ba se ki ko benga population ya ko sangana envie ya ko assister na réunion moko wana. La plupart des victimes ba se ko ma na ku ya masu na moto. Banzoto na bango extrema ki kozala ntase na bandako ya mboka pe bango basi ko incendie yango. Source moko avansa ki chiffre ya 157 victimes. Na pokwa ya 6 novembre 1996 na niveau ya village Tebero pe Njango ba élément armé Hutu ba seki ko fongola banduki na bango pe ba balansa ki ba grenade pe ba tir na lance roquette na ba kamé bané komema plusieurs centaines de ba civils pour la plupart d'origine Nandé. Le 7 novembre na Tongo ba élément armé ba steki ko massacré survivant pe ba dévaliser qui systématiquement va passager avant ya koti ya moto na mituka. Selon certaines sources, 760 corps essaient kokundama na 3 fosses communes. Ba victime ba sia ki kolongwa Goma le 6 novembre pe pona koluka ya ko se rendre na Nzela na nord ya province. Le mobile exact et le massacre n'a pas pu être précis. Vers mi-novembre 1996, ba ex-frère Oyo Kimaki, basé Kikbongo Koboma, entre 5 de 11 civils na village ya Ngungu. Le 5 décembre 1996, ba élément yaf de la paix basé Koboma, au moins 97 personnes na village ya Matanda. La plupart des victimes bazalaki ba réfugiés pe ba Banyarwanda Hutu. Le 7 décembre 1996, ba élément ya AFDL la paix ba se ko ma près à 310 civils dont grand nombre bazaki basi pe bana na village ya Kinigi na territoire ya Masisi. Ba militaire ba zalaki accusé na population locale en majorité ba Banyarwanda Hutu ya ko héberger ba ex-frère Iteramwe. Na kokoma na bango ba ex-frère Iteramwe ba siaki ja kokima kolongwa na mboka. Na dans un premier temps ba militaire ba se koluka ko rassurer ba civil na koyebisaka bango te bazalaki na eloko ya kobanga te. Par la suite, basinga ki bango pona na ko se rassembler na ba bati na plusieurs bâtiments. Wapi kuna église adventiste pe école primaire Rubona afin ya ko assister na
réunion. Au cours de l'après-midi, les militaires et les AFD de la paix vont se rendre dans le bâtiment et dans le village de Kouya et Congo, dans la petite hache de Kolo et Mito. Si y a des gens qui sont civils, ils sont dans Bango. Pe banzo towana eseko kundamana Kinigi na plusieurs fosses communes. Le 9 décembre 1996, ba élément ya AFD la paix ba c'est comme environ 280 civils na village ya Katoyi na sud-ouest ya territoire ya Masisi. Na kokoma na bango ba militaire ba senga ki na chef coutumier ko organiser réunion na population. Bango ba seku ensuite ko encercler ba civil rassemblé au centre ya village pe ba ligota ki bango avant ya koboma bango na ba arme blanche topé na ba kou ya petite hache. Ba oyo ba tenta ki kokima ba seki bongo koboma mana ba balle. Grand nombre ya basi pe bana ainsi que ba réfugiés rwandais bo bazalaki na rang ya ba victime. Aux alentours ya 23 décembre 1996 ba élément ya AFD la paix ba silaki koboma plus de 460 civils ba nyarwanda hutu en majorité ba mibali na village ya Kaouza pembeni ya localité ya Nyamitaba. Na kokoma na bango ba militaire ba expliqué ke bande koluka ba itera mwe pe ba yaki pona ko réconcilier ba communauté pe bango ba bengaki population ya kosangana sur place na village afin ya kwasisye na réunion. Na sima basi yaki kotire ba coup de feu pe koligote ba civil. Ba misusu bazaki enfermé na ba bâtiment, ba susu ba memamaki na bilanga ozaki tout autour ya village. Ba susu basi yaki komemama na colline ya Kanyabihanga. Ba victime la plupart ba seko mama na kou ya marteau. Ba oyo ba seki ko tenté ko s'échapper ba seko mama na par balle. Après ba massacre ba militaire ba seko violé ba nombreuses femmes. Un grand nombre ba femmes pe bana ainsi que ba réfugiés rwandais rescapés ya camp Mungunga. Après ba massacre wana ba militaire ba viola ki basi ebele un grand nombre ya basi pe bana ainsi que ba réfugiés rwandais rescapés ya kamu gunga wapi kuna bazaki na molongo ya ba victime. Le 24 to le 25 décembre 1996 ba élément ya AFD la paix ba utaki na kilo Lirwe basi ko boma près ya 160 civils na paroisse ya Nyakariba na territoire ya Masisi. Na kokoma na village ba militaire basi coordonner la population ya Nyamitaba pe Nyakariba ya ko se rassembler na paroisse ya Nyakariba en vue ya ko assister na réunion ba victime bon bazaki ligoté avant ya ko boma na kou ya marteau likolo ya mitu. Ba o ba tonta ki kokima se ko mama par balle. Sango moko asila maki ko mama na kour ya takwana. Nzoto ya ba victime se maki ko bwa kama na plusieurs fosses communes vous êtes situées à proximité ya dispensaire. Ya paroisse pe na bisika o ebengami na kombo ya kono. Na 1997 ba militaire ya AFD la paix ba sila kibongo kozonga pona ko kokundula mikuwa wapi kuna misusu etumamaki sur place. A compter de la fin ya 1996 pe na cour ya mois suivant ba élément ya AFD la paix basé na colline ya Mufunzi basia ki ko enlevé pe ko boma nombre moko indéterminé ya ba civil na colline autour ya Ngungu.
ba militaire ba se ko kanga ba civil ba civile o ba soupçonné que ko collaborer na ba milicien ou tout na niveau ya ba barrière o zaki érigé na ba principaux axes alentour ba sila ki ko mené pe raid régulier kuna na village ya Ngungu, Murambi, Kashovu, Kahangara, Mumba, Kibabi pe Nyambisi. Selon ba différentes sources, nombre ya ba victimes varierait entre dizaines et plusieurs centaines. Ba habitants ya région ba pesa ki bongo na colline ya Mufunzi Kombo ya Nyami Nyabihanga ou Elakisi, lieu des crânes en Kinyarwanda. Fin décembre 1996, le militaire et Afdelaper, il y a 16 et 22 personnes qui ont incendié le village de Bango, dans le village de Mureto, où il y a 10 km de Nyakariba. Début 1997, il y a Kibongo na Mureto. Le 29 juillet, le militaire ya FAC ba sida ki bon ko za renfort et utaki na Goma pe ko lancé opération ya ratissage dans les environs ya Masisi. Au cours ya période wana opération au cours ya opération ba sida ko commettre ba nombreuses exactions en l'encontre ya population civile la majorité Hunde wa pikuna ba ne ko fund ba funda makina ko soutenir ba mai mai. Incident allégué suivant a été documenté. Le 29 juillet 1997 ba élément ya FAC a pair en provenance ya camp militaire ya Katale ba se ko boma une centaine ba civile wa pikuna basi pe bana dans le nakati ya ba bananere pe ba bilanga oye ba ne ko entouré ba village ya Mutiri situé na côté ya oyo ya Masisi ba victime oyo ba kimaki village après arrivé ya militaire ba c'est qui kozala kokangama ba ki ligoté avant ya kozala pour certaines fusilées pe ba susu ko mama na kuya marteau na likolo ya meto ba tueri wana e zoma ki penza na mboka ya na village environnant lokola kiterire ba militaire oyo ba serandaki na Nia Biondo na 19 km ya Masisi na Ndela ba seki koma plusieurs dizaines ya ba civile pe ba piaki pe ba tumbaki au moins une dizaine ya ba village parmi wapi kuna Kani, Masisi, Bulwa, Bwabo, Bangabo, Kiuma, Lwashi, Bukombo, Kamarambo pe Kinyangutu. Territoire ya Nyiragongo ezali moke ya ba territoire ezali na province ya Nord Kivu. Po ezali situé entre ville ya Goma pe volcan Nyiragongo. Quand mon gars va réfugier, ezali na territoire wana, nanzela entre Goma pe Rutshuru. À compter de la mi-octobre 1996, ba militaire ya Afdelaper ba se ko s'installer na petite bande ya terrain ya parc national ya Virunga situé entre village ya Rugari na territoire ya Rutshuru pe Oyo ya Kibumba na territoire ya Nyiragongo. Na contexte wana équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants. Aux alentours ya 19 octobre 1996, les hommes non identifiés armés na ba fusil pe ba lance roquettes ba siaki ko au moins une centaine de personnes na village ya Rugari pe Kibumba. Ba victime aussi que bon maman. Lors d'une série d'attaques menées contre ba véhicule Oyobaneko circulé na axe ya Goma Rutshuru. Les 18 membres ya équipe ya football ya Butembo Oyobaneko se rend na Goma ba sila ki pe ko maman na attaque wana na balance roquette
contre minibus na bango. Selon source moko ba face affectée na source ya sécurisation ya ba véhicule ferré parti ya ba victime ba rescapé ba celle qui causa pour chasser par les assaillants pe ba bomama ki na kati ya forêt. Le 12 avril 1997, bah, élément y a Afdel à Père, bah, qui comme au moins 33 personnes à niveau y a village, y a Kanyati, Pe Mouja. Na koko manabango na Kanyati, bah, militaire, bah, c'est qui la population y a Kolanda Bango, pour na ko trouver bah, intérêt moué. Na kati ya nzela ba senga ki ne ba civil te ba sila kola la mabele pe ba fongola ki manduki na koboma 23 personnes. Na après-midi ba sila ki kokota na muja pe ba sila ki ko beta masasi likolo ya population na koboma 10 civils pe 4 blessés. Ba militaire ba se ko funda population ya Mouja ya ko se livrer au troc ya ba vivre pe ba charbon na ba intera moué opérant na proximité ya Goma. Bande ko balandi ya Leonjoleo, troisième partie na biso et suki awa bongo webite tozali bongo kana deuxième chapitre to bandaki na première partie maintenant deuxième partie les cas qui paye tozali na troisième partie boy baté quatrième partie kolanda mardi ezali toujours na lokota la Lingala to pesimi na matondo na bino ba ebonso bolandi yango to bokolanda yango na bokebi nyonso bongo to kutani mbala ya sima.